Tu te rends compte? Plus d'un siècle! Sacré pépé. Hey. Tu sais qu'il a toujours su retourner sa veste, lui. Il a survécu à tout, à deux guerres mondiales, et il a même eu la Légion d'honneur. Allô? Oui, oui, c'est gentil, merci. Oh, vous savez, c'est arrivé tellement vite, hein? Ah non, non, il n'y a pas de problème, je vous assure. C'est juste une cérémonie. On ne fera pas de bruit, je vous le promets. Oh non! Regarde! Oh, la douleur de vous faire perdre le décès de... Oh, merde! Bruno de la Roche, il croit que c'est toi? Mais oui, mais on porte le même nom, le même prénom, mais c'est pour ça que je t'avais demandé de préciser à l'âge de 102 ans, ce qui était censé lever toute ambiguïté. Mais tu parles d'une ambiguïté? Et au lieu de 102 ans, ils ont marqué 52 ans, à l'âge de 52 ans! Mais là, il n'y a plus d'ambiguïté! Deux cadavres dans le même appartement, ça fait peut-être beaucoup, je vais me cacher dans la salle de bain. Ouais, je vais l'ouvrir, hein. Les belles, et même les mochetées. Ah oui, moi je vous le dis, s'il y avait les Jeux Olympiques de la quiquette, oui, et bien tous les 4 ans, ils seraient montés sur le podium. Alors comment êtes-vous arrivé à écrire ce nombre de 52 sur ce fabuleux faire-part? Grâce au texto que ma femme vous a envoyé. Enfin, monsieur, mais vérifiez, voyons. Mais ma femme n'a pas pu commettre une telle aberration, voyons. Ce serait ignoble. Alors. Oui, attrapez votre téléphone. Il va vérifier la partie au téléphone. Je vais l'exploser, le type. Je vais l'exploser. Vous l'avez? Elle a écrit 50. Elle a écrit 52. Mon héritage? Bah oui, le mien, évidemment. Lui, j'imagine que tu t'as pas laissé grand-chose, hein. À part des dettes et des mycoses. Mais c'est aussi mis. Ah, la céramique, hein. C'est l'inspiration chinoise ou japonaise, hein. C'est une urne funéraire. Eh bien, combien nous vous devions exactement? Oh, retiens, c'est pas considération matérielle. On n'a pas bien l'importance, tout ça. 6 263 € et 84 centimes. La chevauchée de la pouliche, mon salon. Sinon, toi, ça va, bonjour. Oh, quel terrible malheur, mais quel terrible malheur. Toutes mes condoléances. Mais, vous êtes qui? Votre question, c'est qui je suis? Oui, c'est ça. J'aurais dû y penser, effectivement. Marié sans même avoir invité à la cérémonie, mais enfin, on se demande bien pourquoi, non? Oh, alors que je me fais... Oh, depuis que je n'avais pas vu, heureusement, je tombe sur son grand ami Noël, qui me donne son adresse avec joie. Non, non, il était prêt à te faire une proposition, je veux l'entendre. Oui, mais après on arrête, ça commence à devenir lourd. Bonjour, je suis Alexandra, une amie de Bruno. Bonjour, Ursula, vous êtes Bruno. Moi, je l'ai connu intimement, vous savez. Pas tant que ça. Bah, il m'a quand même tiré plus d'une fois. Le portrait.